Dans la semaine nationale diaspora, là, nous allons faire mise au point ça autour de ça. Il a recevoir deux personnalités bien indiquées, directeur unité technique à programmation du ministère haïtien qui a vécu l'autre bord de l'eau, et puis professeur Jean-Marie Théodate, géographe. On va parler à long et large de semaine diaspora, importance diaspora, préoccupation en plus monde qui a vécu dans la diaspora. Et puis, pour qui ça, n'est-ce pas, est obligé, une semaine qui est consacrée à la diaspora. C'est entre autres points, et nous avons pour nous, dans le cadre d'émission jeudi à. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le Sahara. Monsieur Saint-Hubert, bonjour, bonsoir, bienvenue sous TNH. Bonjour et bonjour tout le monde. La semaine de la responsabilité qui est extrêmement important pour nous et moi je suis content là pour parler de ça. Monsieur Théodate. Bonjour Sergio et bonjour tout le monde qui attend de nous, qui regarde nous dans le respect. Je suis très content là toujours dire pour nous participer sous Chita Palais sous Diaspora. Pour ça en semaine, pour Diaspora. Bien. Décret, c'est un jour. C'est un décret qui était fait en 2011. Mais c'est un jour, pardon. Cependant, le décret a fait pour une journée de la diaspora. Cependant, au ministre, c'est ministre par exemple. C'est lui-même qui a fait le décret, qui a demandé le décret en fait. Journée de la diaspora là depuis plus de 20 ans. Mais devine officielle en 2011, le ministre par exemple. Fait décret ça, moi je dis pour faire décret ça. Mais le ministre par exemple, on a dit tout de suite que une journée a été un peu trop coûte. Donc petit à petit augmenter, il fait que qu'on y a, nous venons une semaine totale, côté nous gagnons peut-être une journée, peut-être une ou deux journées qui consacrées effectivement à des activités avec diaspora, activités intellectuelles, plus parler, plus. Et puis nous gagnons d'autres activités que nous faisons dans l'autre jour. Petite conférence ici, petite conférence là-bas, visite. De qui sa gouvernement a fait, qui sa diaspora a fait. Nous songeons là par exemple, vous êtes à l'Okaï, vous êtes à l'Okaï, regardez qui réalisation que diaspora a fait. Il y a pas comme ça, que l'autre journée est consacrée à ça. Mm-hmm. Et on a parlé de diaspora, vous êtes là, de qui ça a parlé? Justement, on a parlé de une réalité qui polysémique, une réalité qui vraiment extrêmement diversifiée, qui fait que, au sens strict, si nous prenons Moa par son origine étymologique, diaspora, son mot qui sortit en langue juifio, hébreu, et qui veut dire dispersion. Et qui correspond à un fait historique lorsque, en 70 après Jésus-Christ, sous l'empereur Titus, le temple de Jérusalem a été détruit et que le peuple d'Israël, là, pour punir justement de rébellion par rapport à l'Empire romain, était dispersé, il était obligé de quitter terre là. Quitter la Palestine pour la vivre de l'autre côté. Et dans détresse, le peuple juif là, on a parlé d'une réalité qui remonte à plus de 2000 ans, le peuple juif là a été fidèle à l'angni, à religion et à culture de façon générale. C'est-à-dire système de parenté, système de représentation générale. Ce qui fait que le peuple là, il était anéanti comme nation, mais il était continué à survivre comme identité, comme culture, comme ethnie. Et c'est ça qui est important. Je dis, nous avons tendance à prendre le mot diaspora qui a un sens historique, un sens générique, pour nous caractériser toute communauté qui vit à l'étranger en quantité suffisante, dans un temps suffisamment long, et qui, comme juifio, pendant tout le temps, a maintenu langue, religion ou culture, soit trois éléments, soit une langue. Nous avons une diaspora, je dis, chinoise, qui est très importante dans le monde, une diaspora indienne, plus de 50 millions. Le monde. Donc, c'est pour un petit bagage pitié que ça est. Nous avons une diaspora libanaise, une diaspora arménienne, qui est parmi les diasporas qui est plus en vue. Et puis, je dis, je parlais d'une diaspora haïtienne qui oscillait entre 3 millions et 3 millions et demi de personnes à travers le monde, dont plus des deux tiers vivent en Amérique, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, c'est une réalité historique qui, je dis, finit par désigner une réalité générique. Même on dit de façon plus générale, pour ne pas faire de mon cap vivre en diaspora yo, des sortes de monstres et, ou des extraterrestres qui n'ont pas existé, j'ai l'impression que le processus par lequel se sont constituées les diasporas est un processus universel. Nous toutes, finalement, nous capables, si on prend l'histoire de l'humanité dans un temps long, on regarde la carte des migrations qui se sont opérées depuis au moins la très haute antiquité, pas même besoin aller à Australopithèque, pour dire que les hommes ont toujours voyagé dans l'espace et dans le temps, et dans ce déplacement,
ont gardé des éléments de leur culture, de leurs origines, et c'est ça qui fait diaspora, c'est ça qui fait peuple, et c'est ça qui fait tout que nous doués, je dis, à considérer problème diaspora avec en pile ouverture d'esprit, pas seulement considérer que c'est nous-mêmes en Haïti qui inventons, que c'est nous-mêmes seulement qui confrontés à lui, mais où est qui gens dans l'autre pays, dans l'autre situation, ils fait face à situation ça, pour permettre Mounio vivre tout simplement puis à l'aise entre pays d'origine, côté Yosotia, pays par rapport auquel Yokembe et langue et religion et mœurs et culture, et pays côté Alvivla, un pays côté capable non seulement développer culture, mais tout se confronter à l'altérité. À partir de qui là, nous commençons à parler de diaspora haïtienne, le projet de date? Bon, nous commençons à parler de diaspora haïtienne, à partir des années 80, lorsque le phénomène est devenu massif. Parce que jusque dans les années 50, haïtiens vivent la caille, pas grand-pile haïtien à l'étranger. Le phénomène a commencé dans les années 60. Alors, grand-pile monde qui mettait ça en relation avec la dictature de Duvalier. Mais regardez où est que, en pile l'autre pays dans le monde, côté Duvalier pas existé, phénomène non, l'y répéter aussi. C'est en rapport avec la modernité de façon générale, avec facilité de gain pour monde bravion, avec démocratisation de voyages, qui fait que Haïti suivent un mouvement qui est pratiquement universel. Et c'est aussi en rapport avec en mutation dans les sciences sociales. Thème diaspora vient à la mode à partir du moment que, justement, un certain nombre de populations qui, issues d'une vague migratoire dans le monde, pour le revendiquer, ont identité en rapport avec pays d'origine. Par exemple, la communauté irlandaise des États-Unis. Est-ce que les Irlandais sont des Irlandais des États-Unis, est-ce que son diaspora nous capable de dire par certains aspects oui, mais par d'autres aspects nous capable de dire aussi que non. Donc c'est pour ça que le terme non, nous utilisons dans un sens très vernaculaire, tout le monde d'accord, diaspora son nègre qui vit à l'étranger ou son femme qui vit à l'étranger et qui a possibilité de tourner dans un pays libre. Mais sur le plan scientifique, il faut que nous toujours fassions très attention à ne pas utiliser parce que le terme non a un sens très strict. Est-ce que c'est par réalité économique, sociale, politique qui peut être généralement provoqué départ, déplacement, en pile d'offres actionneux qui viennent Kounia et mettez dans la catégorie diaspora? Bon, Kounia, diaspora, lui correspond à Samda Kapabouille, en posture. Tout. Je dis à Guédemoun qui n'a pas besoin de faire one pot pour les parler avec vous, mettez deux, trois mots anglais là, pour dire Mkolo, Papikop, pour dire que. Whatever, Dim, etc. Ou bien, donc, diaspora, c'est une posture. Diaspora, c'est en façon de montrer à l'autre que moi-même tout, moi j'ai accès à une culture étrangère. Mm-hmm. Et bon, nous faisons pour nous vivre avec elle. Qui est le ministère haïtien vivant à l'étranger qui est sur haïtien qui vit à l'étranger? Diaspora haïtienne. Oh, Kounia. Bon, on a plusieurs, mais nous avons même accès à ce qu'on a Kounia. Qu'on y a gros programme que le ministère haïtien vivant à l'étranger, c'est la constitution, c'est la création d'un observatoire des haïtiens vivant à l'étranger. Et un observatoire national de la diaspora. Nous disons pas écrit là depuis quelque temps, mais le gouvernement, sa ministre, met un accent particulier sur ça. Et c'est tout thème et semaine de la diaspora qu'on y a, c'est création observatoire ça. C'est-à-dire, prendre des mondes qui sont dans la diaspora. Et lié en un certain sens avec le ministère là, et puis dis-nous ça qui a passé dans la diaspora, comment la diaspora sent-il par rapport à certains événements, par rapport à certaines décisions gouvernementales, comment la diaspora réagit, qui prend pour la diaspora, pour ainsi dire, et rapporter ça par le ministère. En même temps que nous-mêmes, nous avons dit, mais ça, le ministère après le fait, mais ça, le ministère entend entreprendre la diaspora et pour opinion sur ça. C'est peut-être grand événement qui gagne dans le ministère à Kounia, c'est ça, c'est création de l'Observatoire national, l'ONDH, Observatoire national de la diaspora. Mais M. Tibert, on est arrivé là, est-ce que nous arrivons qu'on est, quand c'était mon cap de diaspora, comme il le dit, qui côté où il est exactement, qui ça a fait, qui réalité la vie au fait? Est-ce que le ministère vient donner ça aujourd'hui là? Ça, c'est une grande question. Malheureusement, c'est une question que
non seulement qu'il y a des réponses approximatives. Quel côté nous rêvons qu'on est, qui quantité de monde qui vivent, c'est par exemple aux États-Unis. Parce que le Congrès américain a demandé que le gouvernement américain, chaque année, il pour remettre un rapport à l'exécutif qui dit combien de monde qui entre dans le pays et combien de monde qui sortit de chaque pays. Et donc, dans un rapport ça, soit chercher ou apprendre combien il s'est rentré, qui femme, garçon, l'âge et qui niveau social, il n'y a pas tout ça là-dedans. Parce que le Congrès, par loi américaine, le département d'immigration, le département de la justice en fait, par loi américaine, doit bailler le Congrès et l'exécutif là, un rapport sur tout ce qu'il a fait. Il y a un pays qui est extrêmement difficile pour faire ça. Par exemple, au Canada, où nous avons cherché, c'est rare pour jeunes. Parce que vous dites, vous pas bail. Il y a certaines données que vous pas bail. L'autre pays, c'est difficile parce que quantité haïtienne, prenons par exemple la Dominicanie, et à chercher qu'on est combien haïtiens dans la Dominicanie, il y a un problème. Parce que vous avez un bon nombre officiel, mais un nombre officieux, là, il est probablement beaucoup plus grand, parce que haïtien ça ne va pas enregistrer. Aller chercher combien d'Haïtiens qui sont au Chili. Tout le monde a parlé. Et c'est vrai que si tu prends quand tu es en avion, etc., pour toi privé, c'est possible dans le cas du Chili, si on fait ça, pour t'abjoindre quand c'était ça, parce que bon, c'est nouveau et pas impossible pour nager pour aller au Chili. Il faut passer pour un bagage officiel quand même. Okay? Mais dans certains d'autres pays, c'est tout à fait impossible. Combien d'Haïtiens qui vivent à la Dominique. En Chine, par exemple. Chiffres variés pour Chili. Chiffres qu'on y a variés. Alors on va dire en Chine, pas Chine, non en Chine. En Chine, en Chine. C'est presque impossible. Moi-même personnellement, dans le ministère là, moi j'ai été chargé pour m'écrire. On s'est réuni d'ambassade pour me dire combien de monde, combien de haïtiens. Moi, c'est son seul qui répond, c'était l'Allemagne. Qui te dit nous, il y a officiellement à peu près 380 haïtiens qui vivent en Allemagne. Vous comprenez, mais l'autre, il ne simplement pas répondre. Parce que je dis que chiffre officiel que vous avez, les un chiffre. Pas en rapport avec réellement quand c'était capable. Ça va quand même être nous inventer sur ça, qui est ça, où est ça à faire. Et peut-être que ça va aider nous dans quelques projets à Haïti, je ne veux dire. Non. Si j'ai un document là, tu même dit que au Canada, par exemple, il y a pile médecin haïtien qui est de nationalité haïtienne qui est au Canada. Oh, de toujours. Bon, les moins qu'on y a, les moins, c'est une anecdote que j'aurais aimé raconter que monseigneur. Allo Canada, on l'a, on s'est renaïf. Allo Canada, on l'a pour question cardiaque. Et puis, là, lui, il vient à l'hôpital côté l'ALEA. Il dit, ouais, on n'a pas besoin de faire tout ça. Parce que le docteur qui prend le soin, il est là, son n'est pas naïf. Je l'avance. Donc, c'est une anecdote que j'ai vraiment raconté. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il y a plus de médecins au Canada, à Montréal, côté de médecins à Port-au-Prince. Donc, c'est vrai que nous avons formé. Jusqu'à présent. Alors, moi, c'est donner ça, c'est quand même intéressant. Si nous voulons, par exemple, à l'idée observatoire, là, si donner ça, c'est pas fondamental, même, t'as qu'à dire. Donner ça, nous compter, bon, nous faire effort pour nous faire mieux. Il n'est pas facile. Quoi, il n'est pas facile pour nous faire donner. D'abord, un, et tout le monde a toujours l'impression que les diaspora haïtiennes sont unités, sont blocs unis. C'est pas vrai. On ne peut pas dire qui communauté, mais on le. Nous essayons de prendre une communauté et c'est dans un côté, dans une ville aux États-Unis. Et nous rendons compte que la communauté A ne peut pas parler à la communauté B. Pourtant, ces deux villes, bon, ce n'est pas exactement ça, c'est quand on a dit les organes agressifs. Mais il y a un problème, pourquoi pas réunir les deux ensemble. La diaspora n'est pas unie dans ce sens-là. Il est difficile pour vous pour prendre, soit elle parle trop à la diaspora américaine, non, il y a un problème avec la diaspora canadienne. Non. De certains. Alors, c'est comme ça, nous portons les mêmes réflexions aussi. Exactement. Un pays côté de l'ALEA. Est-ce que c'est une réalité toi, en Haïti? Aucun problème, ça. Comment? Oui. Vous avez dit bon, moi, quoi que le vrai problème, non, c'est que c'est le contraire qui est étonnant. C'est-à-dire que. Non. C'est vrai. Si Haïtiens qui vivent dans la diaspora, ils étaient manifestés en unité, en fraternité, en amour. Que à l'intérieur, nos patagains, ça veut dire que ces pays n'est pas bon. Alors que la preuve est faite que c'est pas pays n'est pas bon. C'est nous-mêmes le problème. C'est-à-dire que même problème que nous avons ici, les Isani, les Hing-Hang, quel que soit côté Nali, nous reproduisons le même genre. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas
l'ouvre barrière pour dire diaspora, comme par, je dirais, un mouvement messianique, vini aider nous, et puis vini apprendre nous faire bagailler différemment. Parce que finalement, il apparaît, à écouter le professeur Saint-Hubert, que diaspora, c'est même peuple-là. En fait, il faut que nous chita ensemble, haïtiens dedans et haïtiens dehors, pour nous diagnostiquer un problème qui est commun à tous les deux. Parce qu'en fait, qu'on la donne, que pas la donne, qu'on en donne, que pas en donne, nous toutes maquées par le saut, justement, du yin-yang fondamental. Et c'est là, on croit que nous besoin, justement, mettre à plat le problème pour nous dire que pas gain un problème des Haïtiens du dedans et un problème des Haïtiens de la diaspora, nous gain un problème de l'être vivre, du vivre ensemble haïtien de façon générale. Et c'est ça que nous besoin résoudre. Et pour diaspora jouer rôle lié à plein, faut que diaspora, et c'est chance ça, Libanou, mais pas aussi pessimiste que Saint-Hubert, hein, pour me dire que diaspora, les tchaké, j'en nous dis là, pas plus que millier comme ça pour me dire que PIA, les tchaké non plus. En Haïti, attention, monsieur, nous capable de plaindre, mais nous n'avons ni guerre civile, ni guerre ethnique, ni guerre religieuse, et nous capable, en tant que porte-au-princien, flâner dans le pays, ça, à n'importe côté, me tout le monde a poursuivi comme frère. Donc, on ne peut pas exagérer non plus les divisions qu'il y a entre nous. Mais, cependant, il apparaît que pour des choses précises, pour des défis historiques tels que la santé, l'éducation, la recherche, l'environnement, effectivement, nous, pour que jambes bon chita parler ensemble, qui débouchait sur un projet concret, côté nous dit que n'a avancé d'une génération à une autre. Donc, Pagain ont mission spécifique de la diaspora, Pagain ont spécificité de la diaspora, mais cependant, diaspora, je crois que dans certains cas, en particulier la diaspora des États-Unis, la diaspora nord-américaine, les jouer en pile dans une certaine forme de démocratisation de la vie politique en Haïti. Les jouer en pile dans l'avancée sur les, dans les domaines scientifiques, intellectuels, dans le pays ça, par exemple, la langue créole. Et moi, que le travail qui est fait par des graphes d'un côté, par Gourdet, de l'autre, par Saint-Fort et tant d'autres qui sont des linguistes de la diaspora, bah, la langue créole là ont importance que probablement nous avons besoin si c'était seulement à l'interne qu'une des travails se lit. Travail que, au Montancou, Joseph Bruffard a fait avec Haïti Futur, que le président du GRAN, c'est-à-dire Samuel Pierre, a fait. Tout ça montre que diaspora n'est pas non attitude d'indifférence ou de déni par rapport au pays. Nous devons continuer à travailler comme si nous étions dans le pays. Hein, et ma synthétiser ça m'a dit pour me dire que nous-mêmes géographes, nous sommes bien placés pour apprendre que au-delà du territoire strict côté haïtien où nous vivons là, nous sommes capables de briller le réseau mondial haïtien côté nous entre 3 et 3 millions et demi en plus de 10 millions qui est à l'intérieur du pays. Hein, c'est en fait c'est un réseau ça pour nous fonctionner, pour nous mettre tout le monde en rond, pour tout le monde capable de participer et mettre en place. De bon, on parle d'un pays, la vivre à l'étranger, nous considérons comme diaspora, vous avez dit? Non, non, justement pas. Moi-même, pour me considérer au monde diaspora, il faut qu'on ait cette relation dialectique à la mémoire et au territoire. Il faut qu'on soit fidèle à la langue, soit à la langue, soit à la religion, soit aux mœurs haïtiennes. Si on ne peut pas manger griot, ou pas manger poisson, ou pas consacrer les poissons grossels, ou pas parler créole, ou pas consacrer les compas, et puis ou pas de jambes, ou pas de jambes participer en fait pour te boire un soupe jumeau, et que ou c'est petit ou petite haïtien, même ou pas diaspora. Et c'est la voie comme chaque mois en Haïti? Il est pourquoi diaspora toujours, non? Ah bon? Non. Nous avons la voie comme en Chine, nous avons la voie en Australie. Mais choisis-vous en Haïti. Hein? Choisis-vous en Haïti. Parce que si c'est parce qu'il était connecté à la Haïti. Imaginons que petit tout, c'est en Australie la vie. Vous pouvez comme balayer chaque mois en Australie. Est-ce qu'on est australien pour autant? Mais là, c'est son haïtien quand même, qui est d'accord connecté à la Haïti, qui a fait une famille ici. Ou pas une famille, mais pas un pays. Ah bon, vous pensez ça? Vous pensez ça. Parce que là, nous, ça avec comme ça à l'école, avec comme ça le pays, quand même. En Chine. Avec comme ça le manger. Il est capable de faire en Chine. Par exemple, moi-même, quand je voyais la jambe à petite en France, est-ce que je français pour autant? Parce que petite m'a étudié en France. Est-ce que ça bat mon doigt pour aller en France pour me dire fais tel genre, fais tel autre? Non. Moi-même, moi, quoi que, faut qu'on ait une relation de fidélité à la culture, faut qu'on ait un sentiment d'engagement, faut qu'on ait la conscience de l'exception haïtienne par rapport à un héritage, par rapport à une tradition de lutte. Et tout ça, si on moune. Bon Dieu, allez-y. Imaginons où ces petits haïtiens, ou faites à l'étranger, et puis vous voyagez, vous vivez dans l'autre pays, dans un tiers pays,
imaginons arriver à Cuba, moi je suis arrivé déjà, mal Cuba, et puis je me rencontré un guide touristique qui, l'homme dit, monsieur, c'est Haïti, monsieur dit, oh, il saisit, il commence à poser une question sur l'histoire d'Haïti. Là, monsieur posait très précisément cette question. Monsieur dit, est-ce qu'on pensait que la révolution haïtienne a abouti différemment si, au lieu de Dessalines, c'est Toussaint Louverture qui était abouti à 1804? Saisis. Bon, imaginons que, et époque, ça arrive maintenant, je suis plus de 30 ans que je suis complètement déconnecté avec Haïti. Imaginons que je n'ai pas de réponse pour lui. Ça me tape dit. Qui ça lui-même est à penser de moi? Monsieur dit, haïtien, ça a son fake, mon cher. Haïtien, ça a son beau, son photocopie d'haïtien que lui est. En fait, je crois que la diaspora suppose non seulement un engagement financier, l'envoyer comme, effectivement, mais ce n'est pas l'agence où vous voyez. L'envoyer comme, vous voyez sentiment. L'envoyer comme, vous voyez en solidarité. L'envoyer comme, vous voyez du temps aux gens. Et ça, je crois que c'est important. En fait, il y a des éléments de la diaspora qui disent oui, nous voulons engager nous. Mais chaque fois que nous voulons faire, nous avons couru de nous, nous n'avons pas de possibilité, nous n'avons pas de passé. Nous disons nous ne sommes pas haïtiens. Il y a une réflexion comme ça, tout le monde s'entendait. Entendez le tout. Mais tant que je nous suis dit, le ou bon sorte de relation ambiguë du diaspora par rapport au pays natal et de haïtien du dedans par rapport au diaspora. C'est pas étonnant, là encore, parce que nous-mêmes à l'intérieur, à l'interne, négocier justement des problèmes avec Nègre Léogane. Allez voir pour Nègre Port-au-Prince avec Nègre New York. Mais cependant, bon tendance. De mon diaspora, garçon ou femme d'ailleurs, a venu ici en donneur de leçons. Haïtien par MSA. Il ne peut pas prendre leçon ni la main blanc ni la main noire. Il ne peut pas prendre leçon de la même personne. Donc, je crois que, bon attitude parfois arrogante, que vous faites pour qu'on ait pour quitter. L'homme vient par exemple en Haïti et que vous expliquez que bon, vous avez venu, mais il y a un problème de sécurité. Ou t'as venu, mon père mouche. Ou t'as venu, mon père labou. Ou t'as venu, mon père poussière, etc. Ça a agacé les gens qui vivent là-dedans. Et qui lui-même, ce n'est pas plus remède que remède, mais seulement, il connaît que l'engagement par rapport à PIA est obligé de passer par-dessus de tout ça. Donc, on sort de pusillanimité des éléments de la diaspora qui, ici, là, qui énervent nous. Et ça, on ne peut pas comprendre. Comment faciliter l'intégration, Kounia, pour que ça, on dit là, on arrive encore? Eh bien, il demandait une approche pédagogique et didactique. Lorsqu'on est à l'étranger, il dit, on a beau mentir qui vient de loin. Lorsqu'on est de l'étranger, on a l'impression que c'est qu'on est plus passé tout le monde. Eh bien, vous faites pour venir beaucoup plus humble. Au fait, pour venir d'abord pour aller écouter son conseil map by mon diaspora. Ou l'on en Haïti, on peut essayer de faire des choses, essayer de faire utilement, ou chita d'abord tant de mounions. Et l'on comprend ce que vous voulez dire, l'on comprend ce que vous voulez faire, peut-être seulement à ce moment-là, on est capable d'apporter votre grain de sel. Parce que si ce n'est pas ça, il y a expulsé autant qu'on. Tant qu'on élément indésirable. Il y a expulsé autant qu'on intrus. Parce que vous pour gêner un bagaille qui, même s'il a tourné en rond, lui créer un sentiment de confort et de routine. La Kaimoun qui n'a pas gagné le choix. La Kaimoun qui n'a pas gagné plus d'imagination. Vous faites pour venir avec modestie, humilité, pour dire que le pays, ça, c'est pas nier, m'a participé pour m'aider tout le monde, mais parfois, le remède est pire que le mal. Faut pas venir avec un gros mato pour essayer en fonction de petit clou gagit. Chaque clou, il y a un mato pas. C'est qu'à volonté pour changer ma yotouille, dans notre pays, où on va marcher, où la caille pour cabaye. Il ne faut pas confondre vitesse avec précipitation. Gardez-le en essayant d'aller trop vite, et en essayant d'aller trop vite, et on fait tout le bagage à la tombe à terre. Tipa, tipa. Je me demande qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais il va marcher dans notre pays, puis il y a des sacs qui ne font pas marcher, ils cherchent au pas. Maintenant, Fougio, qu'on fait que les gens veulent avancer, et puis ils font pression. Quoi. Ou pas fouti aller plus vite que la musique. Et je crois que le problème dans Haïti, comme problème dans la diaspora, faut gagner à l'intérieur un véritable travail de restructuration. Moi, je ne peux pas parler de révolution en Haïti. Nous pas obligé de faire sans couler, mais faut que nous changions radicalement les choses. Révolution veut dire changement radical. C'est les clair. Choses, changer les choses par les racines. Faut que nous changions radicalement l'éducation, non? Pour faire une langue que tout le monde comprenne, pour faire une langue, pas de mettre français à deux, non? Mais faut que le pays soit fraîchement bilingue. Nous ne pouvons pas parler son seul langue. Pays et deux langues niguin. Faut que tout le monde à l'aise, faut que nous fluides dans ces deux langues. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Faut que nous capables de gagner un environnement qui codium. Je dis à là, nous vivons dans un pays où j'ai l'impression son latrine niée, où j'ai l'impression son vaste poubelle que Port-au-Prince, la plus fine tombée. Alors que l'on est dans notre pays, où on y vivait là en République dominicaine, où on est différent. Donc, nous avons une prise de conscience qui peut être de façon fondamentale
par rapport à PIA, par rapport à la responsabilité que nous avons pour la génération qui a venu. Et tant que ça a beaucoup fait, tout ça n'a fait tout ce maquillage. On a les pouvoirs haïtiens vers l'étranger. Comment nous faciliter l'intégration dans la diaspora? Eh bien, nous avons plusieurs choses que nous faisons. Le diaspora, la diaspora a gagné, le diaspora a gagné un programme, que on, quelque chose que l'on estime qui dans le développement du pays. Diaspora, ça a soumettre nous ça. Et qu'on y a un programme d'appui à la diaspora. C'est pour dire que depuis on dit ça, depuis on lance un pareil comme ça, il faut faire la part. Moi, d'un coup, le professeur Théodate, il faut faire réellement la part dans la réalité, il faut garder bien ça lié. Ou besoin sous 100 monde qui écrit au 90, c'est farfelu. C'est le monde qui a écrit pour prendre ça ou penser son intérêt. Moi, j'ai deux ou trois qui gagnent un bagage vraiment précis et que au capable que le ministère là capable d'étudier et faire le joindre et channel, canal, côté le capacité pour arriver là. Il y aura, on a dit peut-être 1 à 2%, mais au point de ça. Et en particulier, le professeur Dédat fait parler de certains mondes. Et de certaines activités. Me songer, le professeur Samuel Pierre était ici dans Lyon, justement, dans la semaine de la diaspora, à côté de l'exposé. Il a fait quelques livres, enfin, Gann, il a fait quelques gros livres. Et que et c'est avec participation, mais il n'a pas participé directement, mais dans diffusion, que dans ça, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables d'aider la diaspora dans certains bagages. Nous sommes capables d'aider, voyez, canaliser vers certaines pistes, dans certaines pistes que nous sommes capables. Et il faut un support. Nous gagnons une direction pour ça, une direction d'appui à la diaspora, une direction de coopération, et qui fait tout ça qui gagne ouais, avec appui à la diaspora. Sans compter que nous avons un petit bagaille, c'est-à-dire mondain ou prosaïque que nous faisons. On diaspora qui vient ici et qui perdu par exemple passeport lui, qui vient dans le ministère là et nous capable de c'est un bagage que nous comprenons. Au monde ici qui n'a pas compris ça, mais qui vivent dans la diaspora qui comprennent que si on n'est pas arrivé lundi et on a perdu du job. Et donc nous-mêmes dans le ministère là nous avons des structures pour ça pour nous aider aussi vraiment. Mais là encore, on a besoin de pas de charlatan, on faut capable faire la part des choses. Nous essayons d'aider dans le sens que la diaspora qui rentrait en Haïti, qui voulait rentrer en Haïti, qui voulait établir en Haïti, nous avons tout un bagage pour ça, pour tout, mais qui doit gagner, mais qui est obligation pour gagner, parce qu'on a bien les deux, on a bien les droits et les obligations. Donc, le ministère a aidé dans le sens ça, dans le sens que. Un monde qui voulait faire business, par exemple, qui est capable de la diaspora, vous accompagnez à niveau ça tout? Nous avons pas vraiment le venir, mais ce n'est pas nous-mêmes qui avons l'idée de faire business. Nous avons le référer à côté. Non, l'idée pour le cas franchir l'étape. Oui, et bien, nous avons guidé vers qui étape pour l'aller. Nous n'avons pas qu'à remplacer CFI. C'est évident. Oui. Par exemple, quand il y a des plein pour question de terre. Nous avons acheté terre, et puis nous avons un titre de propriété, nous avons venu nous monter sous le lit. Ça a pile fois découragé les managers. Je ne sais pas que tu as voulu. Bah, coup de main ici. Wow. Il me dit que. Nous avons un bureau de doléances. Et à peu près 95% de doléances que nous rencontrons, c'est pour son abdia. C'est clair. Donc, on tombe sous les à plein. Vous comprenez? Ce n'est pas un petit problème. C'est un colossal problème. Et l'on essaie moyen pour rendre compte que si le ministère a des choses que nous avons fait, mais nous ne pouvons pas arriver très loin. Il faut aller en coopération de toutes. De tout département de la justice, police, etc. Et chaque pas qu'on va essayer de faire, on va nous compte qu'il y a un problème là-dedans. Oui, mais là, il y a un ministère à tout. Il ne va pas plaindre. C'est vrai. C'est parce qu'on a ce ministère, ça que le ministère parle. Si le bon problème, c'est lui qui peut aider. C'est vrai, ou tout à fait raison. Oui. Mais là, comme ça, nous-mêmes, nous avons dit, non, mais nous avons référé ça à la justice. Mais très souvent, on n'a pas retourné vers nous. Parce qu'on a dit, on était à la justice. Et je n'ai pas fait de résultat. C'est un suivi peut-être qu'on va faire. Non, nous faisons suivi. Ça, nous avons fait nous-mêmes. C'est réel la justice et pour la justice lui-même avancer. Mais la justice, lorsqu'on va faire concernant la justice,
nous allons passer de main en main, de main en main, ou pas qu'on côté là, en certains moments. Mais le résultat, pourquoi je non, et puis en somme, nous, Haïtiens, nous connaissons très bien que le monde qui prend ça, il va faire une pour il est bien accompagné, des amis qui sont victimes de ça, il est accompagné de policiers, parfois même de juges, je vais même parler de. Leur bon document qui est là, eh bien, document ça, ce n'est pas un monde pour qu'il y ait un bill pour faire le marché. Mais la chance, c'est que lui, vient dans la justice, il n'est pas fait grand pas en avant. Le ça, mon en fait. Mon avis, on est venu côté ministère de diaspora, le ministère de diaspora, que ou pas fait travail. Mais c'est pas vrai. Nous, on fait travail initial, non. C'est travail ça que nous avons fait. Nous n'avons pas gagné force policière, nous n'avons pas gagné. Voilà. Ça, nous avons fait, nous faisons. Mais à partir de là, il y a des empêchements tout à fait haïtiens qui fait que ça n'a pas avancé. Le ministère l'a dit, mais maman, que vous avez un pouvoir pour nous faire ça, que évidemment nous n'avons pas. Le ministère l'a dit, même pas un pouvoir pour le faire, pour l'envahir, pour le prendre, pour le tirer, le huissier, faire constat. Le ministère pas gagné. Ça, c'est la justice qui a fait. Mais il y a un paquet de domaines comme ça. Côté que le ministère est capable d'agir, mais il est capable d'agir jusqu'à un certain point. Après ça, mais comme diaspora, c'est le ministère qui pour lui. C'est le ministère qui a gardé. Il n'y a raison. C'est lui-même qui a dit, ou pas faire le travail. C'est un peu normal. Mais nous faisons diaspora, nous faisons ça comprendre que eh bien, le ministère là, il y a une limite quand il a agi en dedans avec lui. Ça nous fait nous-mêmes, nous conseils que nous faisons. C'est un bagage tout à fait. Et bon, c'est pessimiste que le professeur Théodat pensait. Non, moi je suis très optimiste pour diaspora. Vous pensez que la diaspora, à un certain niveau, la diaspora est très unie. On va parler de langue créole. Si on dit que la diaspora canadienne, ça, il n'est pas trop content parce que la diaspora canadienne est en train de voler dans ça à partir de même gens que la diaspora américaine a établi la langue créole comme langue, comme langue celle en Haïti. Non, à un certain niveau, la diaspora est très unie. Mais on a parlé, quand vous êtes haïtien, il y a certaines divisions qu'on va faire en tant que diaspora. Et que nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients de ça, nous sommes capables de disparaître. C'est ça. Alors, nous avons un rapport de 5 ou 6 ans de ça, on croit que plus fort les ressources sont, il n'y a pas dans le pays. C'est vrai. Et il est clair que vous êtes au DAB, c'est super, nous n'avons pas fait développement à ce qui par contre. Et nous qualifions selon le CNUD, il n'y a pas en Haïti. Je veux dire, comment selon vous, c'est le DAB, nous avons utilisé les ressources ça qui est de un pays pour nous faire le développement que nous souhaitons, pour nous faire que le pays vive l'autre réalité, pour nous sortir côté de nous. Et comment faire et créer attraction pour qu'il y ait envie de tourner, une main au coup de main. On va préciser ce dia qui est très important et que est important pour tout Haïtien entendre. Je dis que 85% des Haïtiens qui gagnent un diplôme égal ou supérieur à un master à vivre et à travailler à l'étranger. C'est comme si, en fait, nous avons lavé mes noms et puis nous avons suivi la tête. Nous formons Timonio, nous formons Jeunio, et aussitôt que vous finissez, y allez. Vous ne parlez tout à l'heure de médecins haïtiens au Canada. Actuellement, il y a plus de médecins, plus d'avocats, plus d'architectes haïtiens à l'étranger qu'en dans le pays. Nous avons déjà soit riche là. Hein? Oui, oh oui. mais en fait, c'est pas une spécificité haïtienne non plus, parce que généralement, la diaspora, c'est comme si nous avions son cours qui fait. Et généralement, ce sont les éléments, sans préjuger de la qualité de ceux qui restent. Hein. Mais dans tout le monde qui a pâti, c'est ça qui est plus intelligent, ça qui est plus malin, ça qui est plus coriace, c'est eux-mêmes qui ont privé plus loin. Et c'est eux-mêmes qui, là où ils des conditions idéales pour épanouir, c'est eux-mêmes qui peuvent briller à l'étranger. Donc, nous gagnons dans la diaspora, et nous avons une statistique qui est faite en tout cas pour les États-Unis, qui montre que de façon générale, la proportion de personnes alphabétisées, de personnes ayant bouclé le cycle d'études secondaires, de personnes avec, bien entendu, un diplôme de l'enseignement supérieur et du second cycle, est beaucoup plus importante. La proportion est beaucoup plus importante à l'étranger que dans le pays d'accueil. Ce qui donne d'ailleurs de l'haïtien en vision parfois un peu biaisé. Oui. Étrangers, souvent, il y a des audios, haïtiens, tout brillant, tout haïtien, tout ces docteurs. Non. Il se trouve que les Haïtiens que l'on rencontrait, ils ont tous à l'université. Oui. Ils ont tous les aucune possibilité ça. Et moi, je dis tout que même s'ils n'ont pas fait bruit, même s'ils n'ont tous pas des pignons sur eux, il y a un pile là-dedans qui fait aller-retour, qui fait va-et-vient, qui vient un coup de main
en d'un pays ça. On n'est pas capable de citer en pile. Nous avons parlé tout à l'heure le nom de Joseph Bruffard, nous avons parlé tout à l'heure du professeur Samuel Pierre, nous avons parlé de Richard Fetière, nous avons parlé de en pile l'autre. Vous comprenez? Cap travail qui vini en Haïti, qui bat un coup de main. Mais, cependant, il n'est pas assez. Il faut que nous tapions plus nombreux, il faut que nous tapions plus de monde qui fait ça, mais tout, faut que, et là, je crois que Saint-Hubert a un rôle à jouer, faut que le ministère là crée les conditions de cette mobilité, de cette fluidité. Moi, je vais prendre l'exemple d'un pays tel que Israël, justement, pour revenir à l'exemple historique. On connaît que je dis, n'importe monde qui est capable de justifier que il y a des origines juives, l'enfant mini, même si c'est Tata Welli qui est juif et que lui-même n'a pas rien à voir avec la terre d'Israël, s'il réussit à faire ça, l'alia, le retour à Israël, que demander la nationalité juive, la nationalité israélienne, pardon, il y a Balil. Ça permet que Israël draine toutes les richesses humaines de sa diaspora, qui est capable, à un moment donné ou à un autre, de servir pays. Et pas servir pays seulement pour pavoiser, pour faire belle bagarre, pour aller sous plage, non, mais c'est de servir tout dans l'armée. Mon service militaire de 4 ans, l'autre bord. Bon, imaginez, si tu as dit diaspora haïtien pour la Bina, pour le bail pays, il y a 4 ans, pour la Potsam, pour la graisser serré, pour la monter descendre, je ne sais pas que tout le monde est d'accord pour ça. Mais il y a des pays qui réussissent. Ça qui fait réussir, c'est parce que justement, ils l'ouvrent, ils ouvrent l'université, ils ouvrent service à tout le monde qui vit à l'étranger, qui est capable de justifier non seulement de l'origine, mais surtout de l'attachement. C'est peut-être ça que nous avons parlé tout à l'heure, de fidélité à la langue, fidélité à la religion, fidélité à la culture. Parce que si c'est l'argent seulement à vous dans un pays, ou pourquoi capable véritablement revendiquer ce titre de diaspora. Donc, pour diaspora capable, puis utile, il faut que tout simplement ou bat le sentiment que il n'est pas dehors, que fait partie de la famille et que on peut pas le traiter le temps court justement on pas un riche qui est arrivé de l'Amérique on va chalet que nous on y a juste besoin pour nous prendre l'argent emmené mais oui. Faut que nous faciliter faire le sens il la calil va dehors mettez à l'aise oui. C'est ça mettez à l'aise mais là on ne contient dit oui il manifester volonté pour candidat par exemple oui bon verrouillé par ça malgré amendement fait mais il y a des postes pas accès avec lui il n'est pas bon on connaît que je crois que c'est en Lituanie, un pays baltique, récemment, le président de la République, je ne sais pas qui est là-dedans exactement, c'est un Lituanien ou Estonien, qui est né, vécu aux États-Unis, qui juste rentré dans le pays pour les élections présidentielles, parce qu'il était gagné en sorte de affinité élective par rapport à ce pays, par rapport à ce territoire, il parle les langues, non, ni qu'on religion, et puis les patriotes. Et je dis à le président de la République, enfin, c'était dans un précédent mandat. Ça en Haïti, le plus possible. Et je crois que nous devons revendiquer ça. Nous-mêmes, Haïtiens de la diaspora, nous sommes des Haïtiens. Comme tout le monde, non seulement nous-mêmes, mais petites nous, et petites nous. Et c'est à cette seule condition que nous avons tiré le pays à la condition qu'il y a. Pour semaine de la diaspora, Anessa, qu'est-ce que ça prévoit? Eh bien, semaine de la diaspora, Anessa, consacrée à Yon Bagay. À Yon Bagay, c'est l'Observatoire national de la diaspora haïtienne. Mm-hmm. C'est à ça le consacré. Et nous commençons à faire 2-3 conférences. Monsieur Théodate a participé, non. Professeur Théodate a participé à une conférence hier. Et je dis, c'est vraiment le tout bagage, tout travail sur l'Observatoire, ça a débuté. Demain, et sous le patronage du président de la République, nous pensons, on va connaître l'opinion ou non, mais c'est sous le patronage de la présidence que nous avons nommé 9 membres qui représentait diaspora, qui représentait le ministère de la diaspora à l'étranger, comme on a dit au monde qui parle communiquer, qui parle en dialogue avec le ministère de la politique, nous sommes passés dans la diaspora, et à travers lesquels nous avons dit, nos pensées sont gros pas que diaspora fait en avant, pour justement aller dans le sens, monsieur Théodate, pour justement aller vers la diaspora et que la diaspora vienne dans lui-même, pour nous dire qui. Bon, nous déjà faisons un paquet de travail pour nous connaître qui est dans la diaspora. Là encore, c'est pas un travail facile, vous pensez ça. On paquet d'Haïtien qui est dans la diaspora, pas de jour. Que vous êtes ingénieur ou ceci, ou ceci, ou ceci. Vous n'avez pas besoin de ça. Et le difficile pour un Haïtien, même s'il veut, ce n'est pas tout le monde qui nous dit, quand vous êtes date ou comme moi-même, qui a quitté et un job à 120 000 dollars pour venir travailler ici. Non. Faut un patriote, et vraiment. Donc, bon, c'est le monde qui n'a pas besoin de ça. Mais on va faire. On va faire 2-3 et qui a d'accord pour capable venir enseigner, par exemple. Et c'est ça, nous compter que l'Observatoire s'apprend à dire qui est-ce qu'il a, qui sac de OA, qui participation nous a au Kabaou. Encore là,
chaque fois, nous toujours mettez ça en exergue, que nous avons besoin une quantité de monde qui a dû venir, qui a fait ceci, un, pas qualifié, deux. Donc nous pensons que c'est la cabane, vraiment, des hommes qualifiés et des hommes qui veulent participer dans le développement du pays. Donc, qui passe quelle communication installée avec les Haïtiens dans le monde? Bien, nous avons toute passerelle officielle. C'est-à-dire, nous avons Facebook, nous avons, bien sûr, nous avons un website, nous avons toute communication officielle. Là encore, nous dépendons de un peu le bagage qui est en Haïti. Ça va marcher, ça va pas un courant, pas un souci, nous dépendons de ça. Mais par ça, nous avons tout. Donc, nous avons qui veut communiquer à la diaspora, nous avons le ministère de la communication qui fait, qui. Nous avons pas un ministère, non. Nous avons direction de la communication qui est même engagée à ça. Enfin. Avec certains problèmes, mais qui a marché. Anessa, moi, la célébration, c'est surtout sous inclusion, c'est ça le chita. C'est ça, oui. Vous avez choisi ça? Chaque année, nous faisons choix. Et Anessa, nous rendons compte que plus on intègre la diaspora, c'est plus on a une chance que la diaspora soit capable d'aider à avancer. Et ministre qui est là, madame Stéphanie Auguste, lui met accent sur ça. Lui met accent sur l'inclusion de la diaspora. L'inclusion fait vraiment le sentir là. Et là, on fait ça, on a plus de chance pour joindre pour participer dans le développement du pays. C'est pour ça que, mais c'est un thème que nous changeons et chaque année. Année, ça, c'est vraiment l'intégration, mais par l'inclusion de la diaspora. On va le refermer. Qui est-ce qui est plus gros que je veux dire pour qu'on dans la diaspora, pas sentir qu'il a livré en Haïti, monsieur Théodate? Je crois que y a un problème de sécurité dans le pays. Ça. Hein? Mon diaspora, il prend des habitudes côté Abdiv là et il dit que toute habitude c'est vice. Nous sommes habitués à ce que il y ait des policiers dans la rue, ou habitués à dormir que propose la CAO, pas besoin de voler. Le que on marche dans la rue, il y a une lumière là-dedans et que on roule la machine, pas bon tout égo côté on tomber son pas ouais, etc. Tout petit détail ça, il dit le diable habite dans les détails. Eh bien, si le diable habite dans les détails, Haïti est un véritable enfer pour quelqu'un qui vient de la diaspora. Parce que pas rien dans les détails, que marché. Et je crois que nous faisons pour nous prendre ça très au sérieux. Parce que si ce n'est pas ça, Haïtiens, ça a calé, nous perdons. Petit, on n'a pas même besoin de parler. Petit, on a même oublié ça. Vous allez fermer ou vous avez l'occasion? Oui, moi, je suis très content que nous ayons parlé de tout le bagage. Et je suis très content de l'apport de M. Théodate là. Et moi, je suis content. Vous avez dit, M. Théodate, que diaspora, c'est un mot qui est un peu tout le monde dans le même sens. Que nous avons un petit problème sur ça, que c'est vrai, toute approche. Mais nous, on a notre approche. Haïtien et les diasporas, n'importe qui. Au monde de Vénézuélien, c'est une diaspora. Et lui dit, une communauté au nord des États-Unis, New York, sont diaspora. C'est pas vrai. C'est jamais ce que dit, c'est un total groupe qui prend tout le monde. Mais à part ça, moi, je pense que je salue toute audience qui attend de nous. Et moi, je crois que nous avons fait une belle approche, que nous avons souhaité que la semaine de la diaspora a vraiment une semaine fructueuse, que la portée une meilleure collaboration entre nous-mêmes et la diaspora haïtienne. Nous avons mieux compris. Monsieur Zedat? Moi, envie de dire haïtiens qui vivent dans la diaspora, que je suis haïtien dans tout le monde, et que ce qui compte, ce n'est pas côté où vivre là, mais côté où envie vivre là. Et que il y a une sorte de relation de fidélité par rapport à la terre natale qui nous honore. En même temps, moi, envie de dire, il ne faut pas arrêter non plus dans une attitude de nostalgie rêveuse par rapport à Haïti. Il y a vivre un côté, il faut qu'ils soient engagés là-dedans. Il y a des combats qui valent la peine que vous participez là-dedans. Et que c'est plus ils sont engagés dans le pays côté à vivre là, plus ils sont capables de venir enrichir nous, leur retourner la caille, venir faire nous profiter de l'expérience. En tout cas, je souhaite bonne chance. Voilà, merci infiniment, M. Francis Saint-Hubert, directeur de l'initiative haïtienne à l'étranger, unité programmation technique, et puis M. Jean-Marie Théodate, géographe. Merci, je suis content parce que vous êtes disponible pour l'émission de tir. Merci. Voilà, merci tout le monde qui t'a suivi nous, avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci.